Aston Martin va enfin avoir une évo importante à Silverstone. Eh ben, c'est pas trop tôt, hein. On apporte des améliorations tout le temps, mais les plus importantes sont gérées un peu différemment, déclarait Crack. Pour Silverstone, nous aurons une autre évo importante, mais je pense que la plupart des équipes en auront. Donc c'est aussi une question de savoir qui apporte quoi et quelle sera l'efficacité. Mais nous sommes assez confiants de faire des progrès. La prochaine étape sera également bonne. Donc l'objectif doit être de vraiment prendre le dessus dans le milieu de peloton pour marquer des points. Mike Crack confirme que son équipe veut terminer la saison vers le haut du peloton, et surtout mieux qu'elle ne l'a commencé. Il faut voir à quel point le peloton est serré. Si vous parvenez à être devant ce groupe, les points que vous marquez sont beaucoup plus importants que s'il vous manque ces 2 ou 3 dixièmes. Donc c'est aussi pourquoi nous ne pouvons pas simplement dire nous travaillons sur la voiture 2023. Nous devons arriver à l'avant de ce peloton et ensuite il sera plus facile de se battre pour les points parce que nous ne pouvons pas terminer une année là où nous l'avons commencé. Pas faux. Donc une version B de Aston Martin à Silverstone, vu l'importance de l'évolution. En même temps, c'est un peu leur course à domicile, hein, n'empêche. Donc c'est normal qu'ils apportent des évos à Silverstone pour bien briller à domicile, on l'espère évidemment, pour Sébastien Vettel et pour Stroll aussi, ne l'oublions pas. Je vous laisse commenter, ciao.